Eh bien bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve sur la démo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Ah oui, c'est un long titre, mais il en vaut le coup. Donc, le jeu sort en 2014, donc c'est-à-dire dans moins d'un mois. Donc je voulais vous faire un petit peu la démo du jeu, qui sort, bah, comme je vous l'ai dit, à la fin, enfin début septembre. Voilà, donc c'est en fait un jeu qui se situe entre, je dirais, le Storm 3 et le prochain. Donc c'est un peu en attente, voilà, comme ils ont l'habitude de faire, comme avec le Génération. Donc là, voilà, donc on va le découvrir ensemble. Donc c'est une vidéo découverte, voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc là, on est sur la PlayStation 3, donc la PlayStation 3. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir y aller, donc c'est parti. Alors je sais pas s'il y a des cinématiques ou quoi, donc on va bien voir. Moi je suis très fan de la série. Donc hop, attendez, je vais juste baisser mon son, voilà. Alors un menu qui somme plutôt assez comme les autres opus, donc ça c'est cool. Donc on va faire, ah on peut même en ligne, ah, ça c'est sympa, faudrait que j'essaye. Donc on va faire mode arcade. D'accord, donc là il nous explique un peu toutes les touches, voilà. Est-ce que c'est les mêmes touches? Charger chakra, le frapper, saut. Ouais, bah c'est les mêmes touches, donc ok, d'accord. Ok. Bah ça a l'air juste génial. Et ben alors c'est parti. D'accord, donc encore quelques trucs. Système de combat, machin. Bon, ça je connais. Je connais. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas et qui vont jouer à la démo, pire, hein, ou qui veulent en plus, vous ferez pause et puis voilà. Donc voilà. Allez, hop. Donc, type de... D'accord. Donc là, on va commencer directement par un match. Apparemment, il n'y a même pas de section de perso, donc je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est déjà ça. Ah, si, j'ai eu peur. Donc là, on a droit à... Donc là, on a une équipe... C'est par équipe, d'accord. Ça n'est pas individuel. Donc là, on n'a pas le choix, c'est par équipe. Alors, soit on fait... C'est quoi? C'est... Là, c'est Sasuke avec son frère Itachi. Ou là, c'est... Mince. Comment il s'appelle? Je l'ai perdu. Ah, mince. J'ai complètement perdu son prénom au prof, enfin c'est pas forcément un prof vu que c'est un ninja très très doué, et c'est je ne me rappelle plus. Et là, petite nouveauté qui arrivera dans l'opus là, en fait vous pourrez incarner le Naruto version robot, oui, donc c'est vraiment intéressant, on peut voir. Bon, ça peut être aussi un petit peu gadget, c'est vrai que les puristes trouvent ça un peu ridicule, mais bon, moi j'aime bien, ça peut être marrant, voilà. Donc là on a la sœur de... Ah c'est pareil, tous les noms je les ai perdus, c'est incroyable. Voilà, sûrement ils vont sûrement nous les dire. Donc allez, on va prendre cette équipe là, donc le Naruto robot avec Naruto normal et puis la sœur de Hayato, non c'est pas Hayato, c'est comment il s'appelle? Bref, ils ont Byakugan, donc vous verrez, vous voyez de qui je parle pour ceux qui sont fans de la série. Bref, alors type secrète. Alors apparemment on peut mettre, on peut mettre des techniques, je sais pas. Pour l'instant je suis un peu, je dirais, perdu. Alors là on combat contre Sasuke, la team Uchiwa, je dirais. Donc son frère qui est mort, d'accord. Donc pour ceux que j'ai spoilé, voilà, son frère est mort. Donc ça va être marrant, j'ai vraiment hâte. Sasuke. Tatoke. Donc je vous conseille vraiment de faire les autres opus pour ceux qui ne connaissent pas. Commencez vraiment par le 1 puis enchaînez comme ça. Voilà. Ah ouais, sympa. Ah génial. Génial. Ah énorme le bruit. Le bruit. Non. Ah ouais. Ah ouais. Ah c'est génial. J'adore le bruit. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, vraiment... Ah ouais, alors comment on fait? Non, hop. Ah, on peut l'appeler en renfort. Alors, est-ce qu'il a un coup spécial? Je me demande bien.
Je me demande bien le coup spécial qu'il a. Hop, on va charger un petit peu son truc. Ah ouais, oh, ça va, il est plutôt sympa. Alors, je sais pas si on peut changer de... Ah, j'ai failli prendre trop cher, les gars. Alors, je sais pas si... Ah non, apparemment, faut attendre que notre joueur soit mort pour pouvoir changer de mec. Alors là, on charge. Donc, non, il a pas de technique spéciale ou... Ah, ok. Ah, c'est génial, ouais. Le combo. Oh. D'accord. Ah ouais. Oh non. Oh la boule qui s'est pris Sasuke. Ouh, ça fait mal. D'accord, là on peut encore charger et peut-être lui en remettre un coup. Donc là on va essayer de battre Sasuke avant que... Ah c'est génial. Regardez, je l'ai battu. Enfin, il me semble. Donc là, je vais refaire son coup finish. Il est sympa. Hein. Génial. La petite thématique. Oh. Coup fatal, voilà. C'est son coup fatal. Ah ouais. Ah, je lui ai mis trop cher, quoi. Ah oui, il a bien pris. Ah, c'est Hinata, voilà. Voilà, c'est Hinata, la sœur de Hinata et son frère, c'est... Je m'en rappelle plus, je suis désolé. Je m'en rappelle plus, en plus, je viens de voir un épisode, là. Donc voilà. Donc, Mega Naruto, il s'appelle. C'est ça ? Il me semble que c'est ça. Si je me suis pas trompé, vous me corrigerez dans les commentaires. Le cran C, bon, ça va. Je crois que c'est le meilleur qu'on puisse faire, il me semble. Non. Je crois que c'est S, le meilleur. Eh bah ça fait plaisir de rejouer à un petit jeu comme ça. Ah d'accord, tant qu'on perd pas, on continue les rounds. Ah c'est génial. Donc là c'est Naruto en QB avec son père et sa mère. Ah c'est génial, pas mal. Je suis pas sûr que les gars qu'on puisse continuer comme ça très longtemps. Moi je sais pas si je peux prendre Naruto normal avec Hinata. Donc, je sais pas si... Normalement on peut changer. Hein. Donc temps de chargement. Et... Oh, oula, j'ai pris trop cher. Oula, je vais prendre vraiment trop cher. Ah ouais. Wow. Oh, génial. Ah ouais, bah là, Mega Naruto, il... Ouais. Normalement... Ah. Oh. Naruto, c'est pas... Alors, on va appeler son Naruto normal. Ouais, bah, il a rien fait du tout, il sert à rien. Alors là, je parle pas beaucoup, les amis, parce que je le découvre, du coup. Alors là, la technique secrète, c'est triangle, triangle, triangle rond. Ok, bon, là, c'est pas triangle, triangle rond. Là, je suis en train de prendre trop cher. Allez, c'est parti, coup finish. Avec toute l'équipe. Allez, c'est parti. Chakra au maximum. Oh là, ça va faire mal. Comment on fait pour changer de... Normalement, on peut changer... Ouf, j'ai failli prendre son truc. Oh, je vais me prendre sa technique secrète. Ah, là, ça sent mauvais pour moi, les gars. Oh là là, je prends vraiment trop cher. Ouais, à mon avis, ça sent mauvais pour moi. Ouais, bon, ben... Je l'ai mal joué, les gars.
contre, les majorités... Bon, allez, on va changer un petit peu de personnage. Parce que c'est vrai que c'est bien sympa, mais Naruto, en... bon, c'est sympa 2 minutes, hein, je vous avoue, mais bon, ça vaut pas notre Naruto normal. Donc on va prendre la team Sasuke et Itachi. Et après on aurait pu, on va pouvoir... Je pense que je vais vous tester tous les... Ah, Kakashi-sensei, voilà, le nom m'est revenu. Eh ben non, on va prendre Kakashi-sensei, type éveil, type soutien et autres. D'accord. Technique secrète. Ah oui, d'accord, on peut sélectionner... d'accord, bon, on va essayer ça. Je sais pas trop ce que c'est. Donc, moi, j'ai réussi à découvrir cette série grâce à mes potes. Donc, je fais un petit coucou à Julien, s'il regarde la vidéo. Je pense que ça lui fera plaisir, voilà. Et Jason, et puis Vincent, voilà. Donc, un petit coucou à vous. Alors, bon, j'espère qu'on va pouvoir les battre. Parce que c'est vrai que cette team Naruto et ses parents sont très très fortes. Voilà, direct, éclair de feu. Éclair de feu, n'importe quoi. C'est les mille oiseaux. Oh, l'autre avec sa poêle. Ah, génial. Génial. Allez, prends ça. Allez, Naruto. Non, mais Kakashi, calme-toi. Oh, génial. Allez, on recharge le chakra. Oh, les mille oiseaux. Ça, c'est une technique que Kakashi-sensei maîtrise à merveille. Et que Sasuke aussi maîtrise. Alors, il me semble que Sasuke l'avait demandé à Kakashi pour être plus fort. Pour pouvoir battre son frère à l'époque. Voilà. Alors là, j'ai utilisé mon truc... diversion, enfin le truc en bois là, pour rien. Oh, oh, les mille oiseaux, ça c'est une technique assez facile. Tiens, prends ça, toi, connasse. Oh, génial. Alors là, si Naruto me fait son truc, je suis mal barré. Hop, allez. Voilà, donc on a gagné. Bon, là, on avait quand même un perso quand même un peu plus de haut niveau, donc forcément, c'était un petit peu plus facile de battre Naruto, hein, forcément. Alors. Ok. Rang B. Bref, c'est pas terrible. Pas terrible, terrible, tout ça. C'est dommage, j'aurais bien aimé changer un peu de perso. Je sais pas comment on fait. J'aurais dû faire gaffe à ça. Alors, la team Uchiwa, je la prendrai après, tiens, d'ailleurs. Pour voir un petit peu comment elle joue. Donc là c'est très simple, hein. Rond vous frappez, Y vous chargez le chakra et puis vous combinez un peu les touches. Donc voilà, ça reste basique dans le gameplay, mais génial à jouer parce que c'est vachement dynamique là-dessus. Là-dessus, voilà. Alors, là j'aurais pu. Donc là, j'essaie de changer un peu les touches. Donc vous pouvez appeler votre coéquipier pour qu'il vienne frapper. Hop, attention. Alors, hop, les mille oiseaux. Je me demande bien ce qu'il a comme technique Sasuke dans ce nouveau Naruto. J'espère que on en apprendra plus sur la suite du manga. Allez, prends ça, Sasuke. Alors, je sais pas s'il y a d'autres techniques, mais... Oh, j'ai pris trop cher. C'est des techniques qui font vraiment mal, là. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il a comme technique. Je vais me laisser un peu frapper, histoire d'avoir l'œil des Uchiwa. Normalement, je devrais l'avoir dans pas... si longtemps que ça. Donc là, maintenir, voilà, c'est ça, regardez, voilà. Ah, mais là, sauf que là Itachi m'enchaîne. Ouais, il m'a enchaîné, bien joué à lui. Ah, ça c'est pas mal, quand vous mettez l'œil de Kakashi, et ben du coup il peut vous
Enfin, ça change le terrain et tout, c'est sympa. Ah, d'accord, ça commence bien. Alors, on va essayer de... Voilà. Essayer d'affaiblir Sasuke un maximum. Voilà. Faut que j'essaye de faire intervenir le collègue qui est avec moi pour m'aider à vaincre Sasuke. Oh, il m'a bien contré, bien joué. Non, j'espère que mon commentary vous plaît. J'essaye d'être de plus en plus... de mieux en mieux. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. C'est vrai que parler en même temps que Joe à Naruto, c'est assez chaud. Allez, prends ça. Sasuke, viens ici. Voilà, hop. Bon, là, on va essayer de se laisser frapper un petit peu. On va charger un petit peu la barre d'énergie. Allez. Allez Sasuke, frappe, montre-moi que t'as un Uchiwa digne de ce nom. Bon, voilà, c'est parti les amis. L'œil des Uchiwa. D'ailleurs que j'affectionne tout particulièrement parce que je l'adore. Oh, il m'a endormi. Oh, il m'a endormi, d'accord. D'accord, non mais, ok. Ok, ah ouais, non mais. Ah ouais, non mais. Ah mince, j'étais concentré là les gars, du coup j'ai fait n'importe quoi. Ouais. Ok, bon bah. Je vais perdre avec des shurikens, vous allez voir. Ça va être, voilà, ça a été magnifique. Ok, bon bah je crois que la team Sasuke est chaude bouillant. Je crois que pour la battre, ça va être quelque chose. Mais je vais la prendre, parce qu'elle m'intrigue. Et alors un détail que je viens de voir, qui est apparu très récemment dans les épisodes, je vous en dis pas plus. C'est-à-dire que l'œil, enfin, je vous, alors attention, spoil pour ceux qui n'ont pas vu ces épisodes-là. Voilà, je vous ai prévenu. Alors, on a appris que ça, enfin, que on va dire, je vais limiter le spoil, que Obito, merde, j'allais dire le méga spoil de la vie, que mince, comment il s'appelle, mec masqué, bref, bon, je spoil la mort, Obito, voilà, hein, bon, bah, voilà, c'est fait, que Obito avait un secret, donc il pouvait se déporter, donc, par son masque, vous voyez, et ben, en fait, dans la 4ème guerre mondiale, et ben, Kakashi va réussir à comprendre comment il fait, il va pouvoir développer cette fameuse technique, et en fait, là, dans ce jeu, et ben en fait, cette technique, il vient de l'utiliser, enfin, je viens de l'utiliser, sauf que je l'ai raté, et justement, apparemment, ils ont vraiment mis à jour au plus récent, donc attention aux spoils, je pense, pour certains qui vont faire le prochain, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, c'est sûr. Cette technique-là, il l'a eu il y a très récemment, il y a moins de 2 semaines, donc en version sous-titrée FR, voilà. Pour ceux qui voulaient un petit peu savoir. Donc désolé si je vous ai spoil, mais je vous ai prévenu. Voilà. Donc allez, on va prendre Sasuke et son frère. Pour preuve, Sasuke, là, il est en version mort. Hein. Donc voilà. Ouais, je pense que je vais mettre celle-là. Donc c'est-à-dire que là, mon avis va me protéger automatiquement. Je sais pas trop comment ça va se passer. Donc apparemment. Donc là, on a la team. De Naruto avec Hayata, c'est ça. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc là, ça va faire 20 minutes de vidéo, les amis. On va bientôt arrêter. Je crois qu'il nous reste une team à faire et puis c'est fini. Allez, et puis on... Ah ouais, génial. Là, c'est vrai que Sasuke il est un peu du. C'est vrai que Sasuke avec sa fameuse technique, il est un peu cheaté. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Je vais essayer de l'esquiver un petit peu.
contre là. Je vais essayer de charger un peu mon chakra. D'accord, ah, ça c'est sympa que mon frère vienne m'aider. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de comment dire. Wow, d'accord. Ah ouais, d'accord. Waouh. Ah ouais, putain la vache, c'est super. Je vais essayer de me laisser frapper histoire d'avoir mon coup un peu spécial. Parce que c'est bientôt la fin du Naruto tel qu'on le connaît. J'aurais dû me prendre le Rasengan mais du coup je l'ai pas fait. Tu peux venir me frapper Naruto ou... Ouais, ça te dit pas de... Merci. Je le fais, c'est pour découvrir un peu son finish. Oula, du coup lui me le fait, son finish. Cette technique est quand même particulièrement puissante. Elle fait penser aux grosses boules Kakyubi et les autres démons à queue. Je ne sais pas si on peut avoir plus que ça. Ah, tu peux me frapper encore s'il te plaît, non tu... Je me laisse faire, hein. Regardez, l'IA veut se défendre, c'est plutôt pas mal. Non, tu... Encore ? S'il te plaît. Non. Bon bah apparemment il veut pas m'attaquer. Allez, attaque-moi. Attaque-moi. Merci. Ah oui, ouais, mais j'avais. D'accord. Apparemment. D'accord. Apparemment, selon la technique que vous utilisez, ben vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas. D'accord. Alors là j'avais un soutien auto et ben en fait j'avais pas ma technique ultime donc d'accord. Bon, du coup je vais peut-être refaire le match avec des strats différents, je sais pas. Je pense que le meilleur c'est vraiment le strat avec le finish ultime et tout. Défense auto c'est sympa mais bon, non du coup je vais quitter. Au lieu de refaire le match je vais peut-être refaire mais avec... Ouais. C'est vrai que Sasuke, tiens, en parlant de Sasuke, c'est un de mes persos préférés. Naruto, j'aime bien, ça en plus, mais Sasuke avec ses yeux et tout, comme Itachi, c'est des persos que j'adore vraiment. Donc, on va retourner à la section de personnages. Et puis voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous fait plaisir parce que alors, moi, je suis juste trop content de vous la faire. Là, moi, je viens juste de la voir et là, je vous fais le truc en direct, quoi. Donc, en fait, on n'avait pas fait cette équipe, en fait, voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que il est quoi? 24 minutes? Allez, je vous fais celle-là. Du coup, je vous ferai la type... Voilà, je pense que c'est celle-là. Type de technique secrète. Les autres sont pas... Je sais pas. Moi, je préfère celle-là. Voilà. Donc voilà, je sais pas contre qui on va affronter. Bah, la team Kakashi et... Kakashi Sensei et... Je sais plus comment il s'appelle... C'est gros sourcil, on va l'appeler. Pas l'élève, hein, mais l'entraîneur. Voilà. Bon, alors, Naruto, tu nous fais patienter. Petite chanson, temps de patienter. Allez, c'est parti. Donc, allez. Ah ouais, d'accord. En fait, là, on a Naruto directement au QB. D'accord. Ah, en fait, là, on l'a en mode direct cheaté, téléportation et... ah ouais, non, mais là, on se fait plaisir, quoi. Ah, et puis là, on... Ah, ah ouais, D'accord.
Allez, hop. Faudra que je regarde un truc dans les menus après, les amis. Parce qu'il y a un truc qui me perturbe, c'est que les voix sont en anglais. Et moi, je les voudrais en japonais, puisque en tant que semi-puriste, puisque je viens de découvrir la série il y a moins de 2 ans de ça, 2-3 ans, je dirais. Je me considère pas non plus comme un puriste, mais au moins comme un bon fan. Allez, prends ça. Oh. Et après, si je me trompe dans certains trucs, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à accepter toute critique venant de vous, surtout les positifs. Oh non, ça va être fini. C'est fini pour Sasuke. Oh, la version anglaise est pourrie, quoi. Wow, bah oui, bah là c'est... Oh, le truc nucléaire, quoi. C'est... Bah, on va la refaire. On va la refaire et puis on va attendre... Ouais. Du coup, ouais. Ok, bah là, rang S, vous voyez, les amis. Voilà, ça c'est un rang S. Je crois que j'ai fait un perfect, quasiment. Moi qu'il ait dû me toucher une ou deux fois, mais c'est quasiment perfect. Donc voilà, on va refaire un. On va refaire un, et puis... Hop, voilà. Oh bah, voilà. Naruto... voilà. On bat le Naruto normal, le Naruto robot, quand on va en version cheatée. Voilà. Bon. Bien. Ça va être bientôt la fin de la vidéo, les amis. Dernier combat. Après, on ira dans le menu, voir si on peut le mettre en japonais, pour vous sachiez si on peut ou pas. Donc, allez. Ah ouais, non mais... Alors là, j'essaie de me concentrer un petit peu pour lui faire perdre la vie, parce que c'est vrai que l'IA utilise quand même bien le Naruto, robot, donc... Ah, il est vraiment cheaté, Naruto, en QB, quoi, c'est... En transformation comme ça, il est... On va charger un petit peu de chakra, hop, et puis on va aller vers lui. Alors là, vous voyez que lui, il a... Ah ouais, non, il m'a eu avant. Il m'a eu avant. Pas mal. Allez. Ah, j'ai pas assez de chakra, on va charger un peu de chakra. Allez, on charge un peu de chakra. Désolé si je parle pas beaucoup, mais du coup j'essaye de faire un bon match quand même. Ah ouais. Ah là c'est... Ah oui, c'est la fameuse technique surpuissante. J'espère que je vais pas le tuer. Ça serait génial. Ah, elle fait vraiment mal, quoi. Ah, il a quasiment perdu la moitié de sa vie, quoi. Ah, ça c'est la technique ultime. Oh, le combo, il a réussi. Avec les poils. Génial. Wow, c'est quoi ça? Ah oui, c'est ok, d'accord. Donc c'est le combo plus... je deviendrai plus cool que ma mère et plus fort que moi. Non, je deviendrai plus cool que mon père et plus fort que ma mère. D'accord. Ou c'est le contraire. Plus fort que mon père et plus cool que moi. Génial. Franchement, les coups sont spectaculaires. Génial. Franchement, génial. Je pense que je vous ferai des vidéos peut-être avec un de mes potes qui viendra à la maison quand le jeu sortira. Et puis voilà. Donc allez, on va quitter après ce match génial. Donc rang quoi? Rang S encore, les amis. Bah c'est génial. On a bien combattu, je trouve. Je sais pas vous, mais en tout cas moi je trouve. Allez. Donc vraiment une bonne démo, en fait, il y a pas mal de persos à prendre et tout, c'est sympa. On va retourner au menu et voir si on peut mettre les voix en jap, ce qui pourrait être vraiment, vraiment sympa, parce que
que ces voix. C'est vrai que moi avant, j'étais pas du tout un puriste. Je pense qu'on est quand même puriste quand on met les gens en jap, les voix en jap. Mais il y a un moment donné, quand vous êtes en. Vous suivez l'anime en sous-titré et que vous arrivez avec des voix anglaises et que vous remarquez que les doublures sont un peu à chier. Bah, c'est pas à chier, mais j'aime pas quoi. Je sais pas, ça me met pas dedans, voilà. Qu'apparemment, je crois que. Non, je crois qu'on. Je crois que... Ah, la série date de 2002, les amis. Je ne savais pas. Eh bien, non. Eh bien, non, en fait, on ne peut pas choisir. Parce qu'après, ça nous emmène directement là, voilà. Au truc de sélection, voilà, blablabla. Et donc, voilà. Bah, non. Bah, apparemment, on ne peut pas choisir. Donc, voilà. Bon, eh bien. Du coup, sur ce, les amis, je vous dis à très très bientôt. C'était Naruto. excusez-moi. Du coup, attendez, je vais revenir au menu principal. Voilà. Et on va se laisser là-dessus. Donc voilà. Donc, je vous ai fait une petite présentation, une petite découverte avec moi, de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Donc, un jeu situé entre le prochain et celui qui était Ninja Storm 3. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Sur ce, je vous fais des bisous les amis, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!